Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Facile et dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage du visuel basique. Alors, le visuel basique c'est quoi? C'est un langage de programmation très simple, donc l'un des plus simples qui peut exister et qui peut vous permettre de créer très facilement et très rapidement des applications en fenêtre. Donc, qu'est-ce que permet de créer le visuel basique? Par exemple, une calculatrice. La calculatrice Windows peut être sans problème recréée grâce au Visual Basic. Donc d'une part parce que dans l'éditeur que nous allons utiliser, nous avons tous les outils qu'il nous faut pour pouvoir créer des fenêtres, c'est-à-dire la fenêtre, le menu, l'affichage du texte, tous les boutons, etc. Et d'autre part grâce au code que nous allons entrer de façon à pouvoir interagir donc avec les boutons de la calculatrice et par code on pourra dire que si on appuie sur 1 plus 1 est égal à ce moment-là on affichera 2 à l'écran. Donc un navigateur web est aussi une application en fenêtre, donc avec la fenêtre, le menu, l'URL pour la recherche, etc. Donc on peut aussi créer un navigateur web avec le Visual Basic. En gros, on peut créer à peu près tout ce qui est imaginable en fenêtre. Donc on peut aussi faire des choses un peu plus complexes comme accéder au système, accéder à des bases de données ou faire des choses assez poussées. Puisque le Visual Basic a beaucoup évolué depuis sa création et désormais vous pouvez accéder à des choses qu'on n'aurait même pas pensé possibles par le passé. Donc notre cours sera organisé donc en plusieurs parties. Premièrement, je vous ferai un cours donc que vous allez suivre. Vous regarderez des vidéos, vous aurez le cours, je vous expliquerai les fonctions, comment les utiliser, etc. Je vous ferai des démonstrations. Ensuite, on fera des travaux dirigés, c'est-à-dire que nous allons créer des petits logiciels ensemble, que vous ferez en même temps que moi. Et après, il y aura une partie pratique puisque je vous demanderai de faire des exercices, donc je vous donnerai des énoncés d'exercices, et vous devrez réaliser ces exercices seul, et je ferai la correction dans les vidéos suivantes, de façon à voir si ce que vous avez fait est bien ou pas, et vous pourrez vous attribuer une note en fonction de ce que vous avez fait. Alors il est important de bien respecter les consignes, et de ne pas regarder la correction, sinon ça ne servira à rien. Donc dans ce premier cours, nous allons pas faire grand-chose. On va juste installer Visual Basic, qui est l'éditeur qui nous permettra de développer en Visual Basic. Et je vous présenterai rapidement l'interface. Donc on va aller sur votre navigateur, donc Google, et on va entrer Visual Basic 2010 Express. Donc c'est un logiciel développé par Microsoft et qui est entièrement gratuit. Donc vous cliquez sur le premier lien, vous arrivez sur le site de Microsoft, vérifiez bien que la langue soit français et que vous êtes dans la rubrique Express. Donc c'est dans la rubrique téléchargement aussi. Là vous avez tous les logiciels que propose Microsoft sur son site. Donc nous ce que nous allons utiliser c'est Visual Basic 2010 Express. Donc actuellement c'est la dernière version. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez la langue du produit, donc soit français soit anglais. Ça peut être bien aussi d'utiliser la version anglaise pour vous habituer au menu anglais, puisque le développement va se faire en anglais quoi qu'il arrive, et vous cliquez sur télécharger. Ça va vous télécharger un petit exécutable qu'il faudra lancer, et cet exécutable va télécharger entièrement Visual Basic 2010. Alors il y a plein de composants qu'il faut télécharger, toutes les librairies, donc l'éditeur, et pas mal d'outils pour faire fonctionner vos programmes sur votre ordinateur. Donc l'installation sera longue. C'est pour ça que je ne vais pas la faire. Et ensuite, vous aurez besoin de vous enregistrer ici, donc de récupérer une clé. Et donc tout sera expliqué dans le logiciel.
Donc si je clique sur le point d'interrogation et que je clique sur inscrire le produit, donc moi le produit est déjà inscrit, mais vous, vous aurez, veuillez vous enregistrer, vous cliquez sur le bouton, vous aurez un petit formulaire à remplir, très rapide, et là on vous donnera une clé, donc un code, qu'il faudra coller ici et cliquer sur activer le produit. La clé vous sera peut-être envoyée par mail, il me semble. Et elle sera aussi visible directement dans votre navigateur. Donc là, ça vous permettra d'enregistrer le produit de façon à pouvoir l'utiliser sans aucune contrainte. Donc, lorsque vous avez installé Visual Studio et que vous l'avez enregistré, vous arrivez sur cette fenêtre, donc sur l'interface. Donc, une fois qu'on est là, il faudra qu'on crée de nouveaux projets. Donc, pour créer un nouveau projet, vous avez ce petit icône. Ou vous pouvez passer par fichier nouveau projet. Alors je vais revenir sur l'interface un peu plus tard, hein, je vous montrerai comment utiliser donc chaque icône. Juste avant de commencer, je vous indique que vous avez une rubrique apprendre avec des petits tutos qui vous permettront d'apprendre à créer des programmes ou des fonctions simples. Donc tout est bien expliqué, c'est pour vous permettre de démarrer avec Visual Studio 2010. Donc, on revient à notre page de démarrage et on va créer un nouveau projet. Là, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez choisir plusieurs types de projets. Donc, vous pouvez organiser votre fenêtre comme vous le voulez, en icônes, en listes, etc. Alors, il faut savoir que vous pouvez télécharger Visual Studio 2010 qui regroupe Visual Basic, Visual C Sharp, Visual C++, etc. Et si vous avez tous les logiciels ensemble, vous aurez beaucoup plus d'éléments. Mais si vous ne programmez pas dans un autre langage, téléchargez uniquement Visual Basic. Donc, nous avons des applications Windows Form qui sont des applications en fenêtre. Donc comme l'exemple de tout à l'heure, nous avions la calculatrice. Eh bien, la calculatrice est une application Windows Forms, c'est-à-dire une fenêtre avec des boutons. Donc ça, nous, on l'utilisera aussi pour créer rapidement notre interface. Vous avez l'application console. Donc une application console, c'est ça. Ça, c'est la console. Et une console permet de travailler en ligne de commande. Donc de travailler dans une console simplement avec du texte. Donc nous, dans un premier temps, on utilisera ça pour voir les bases de la programmation. Ça nous sera largement suffisant. On ne va pas commencer par des choses complexes avec des formes à gérer. Donc là, c'est vraiment une formation d'initiation. On apprendra les choses les plus importantes, mais aussi qui sont assez simples, et qui vous permettront par la suite de faire à peu près n'importe quelle application. Et ce qu'on pourra voir aussi, ce sont les bibliothèques de classe qui sont en fait des librairies, c'est-à-dire que si vous créez des fonctions qui font telle ou telle chose, vous pouvez regrouper ces fonctions dans une bibliothèque et vous pourrez importer vos bibliothèques, donc DLL, dans n'importe quel autre projet et réutiliser vos fonctions sans avoir besoin de les reprogrammer. Donc, en gros, si vous avez bien compris, on pourra créer plein de choses qui pourront être utilisées dans toutes les applications sans avoir besoin de les recréer. Donc là, on va sélectionner une application console. On peut marquer par exemple tuto 1. OK. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec au centre donc l'éditeur de code. C'est là où nous allons entrer tout le code source de nos logiciels. Donc là, lorsqu'on crée un projet, nous avons déjà une partie du code qui est écrite. Donc par défaut, on a toujours notre code. En dessous, c'est la console d'erreur, donc le débugger si vous voulez. À chaque fois que vous allez faire une erreur dans le code et que vous allez essayer de le compiler, l'erreur s'affichera ici, parce qu'on ne peut pas créer de logiciel s'il y a une erreur dans le code. À droite, vous avez tout ce que vous avez créé, tous les projets, tous les logiciels, etc. que vous avez développés. Et en dessous, c'est la boîte d'outils. Donc là, elle est un peu vide. Mais si vous créez une fenêtre, vous aurez accès à plusieurs types de boutons, comme les boutons, les ascenseurs, les images, les zones de texte, etc. que vous pourrez utiliser pour créer des interfaces graphiques. On verra ça plus tard. Et vous avez les propriétés qui vous permettront de changer la couleur d'un texte, changer sa taille,
changer la disposition des éléments, etc. Donc il se peut que votre fenêtre ne soit pas comme ça par défaut. À ce moment-là, déjà, vous pouvez détacher les fenêtres et les placer où vous voulez sur l'écran, donc organisez-vous comme vous le voulez. Ou sinon, si vous avez des éléments manquants sur votre fenêtre, vous pouvez aller dans Affichage, Autres fenêtres, et là, vous avez par exemple la fenêtre de propriété, la fenêtre de boîte à outils, la liste des erreurs, qui est en fait la console qui vous dit lorsque vous avez fait des erreurs, etc., etc. Et vous avez aussi la barre d'outils. Donc moi, je suis en standard. Après, vous avez plusieurs autres barres d'outils qui sont prédéfinies. Vous pouvez même créer vos propres barres d'outils. Mais je vous conseille de rester en standard. Comme ça, on travaillera sur la même interface. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez déplacer vos fenêtres et les mettre où vous voulez. Donc, avant qu'on commence réellement cette formation, je vais vous faire un tout petit cours sur comment ça fonctionne. Donc, un ordinateur fonctionne avec un langage qui s'appelle le binaire. Ce sont les 0 et les 1. Donc, tous les composants de l'ordinateur fonctionnent, comprennent des instructions qui leur sont données en binaire. Lorsqu'on a un 0, le courant ne passe pas. Lorsqu'on a un 1, le courant passe. Et donc, pour communiquer avec l'ordinateur, eh bien, il faut des millions et des millions de signaux, des 0 et des 1, pour pouvoir communiquer avec tous les composants et dire par exemple à l'écran d'afficher telle ou telle chose, au lecteur CD de tourner, etc. Et nous, humains, nous ne pouvons pas programmer en binaire puisque ce serait vraiment trop compliqué. Donc, on a inventé des langages de programmation. Le Visual Basic est un langage de programmation. Vous pouvez écrire votre code source avec des mots-clés qui sont plutôt facilement compréhensibles par un humain, donc on verra un peu plus tard. Il y a pas mal de mots donc anglais, puisque la programmation se fait en anglais. Et lorsqu'on a écrit notre code source, nous allons le compiler, c'est-à-dire nous allons le transformer en langage binaire, pour obtenir un exécutable qui pourra communiquer avec la machine. Donc, le code source sert à pouvoir être compris par l'humain et il est transformé en langage binaire pour pouvoir communiquer avec la machine. Pour compiler notre code source, on pourra cliquer sur ce petit icône ou sinon on pourra aller sur déboguer et démarrer le débogage. Là, on a vu la console passer rapidement et disparaître. Tac. Puisque notre code source est vide. Il n'y a rien et donc le programme ne fait rien, il se lance et il s'éteint. Alors, lorsqu'on commence un code source, il faut toujours démarrer par le mot-clé module. Donc le module, c'est le projet sur lequel nous allons travailler. Ensuite, il faut donner un nom à ce module. Donc là, il s'appelle module 1. Nous, on peut l'appeler par exemple tuto 1. Et lorsqu'on déclare quelque chose, il faut toujours refermer cette chose. Donc là, on a ouvert un module, il faut fermer le module en indiquant end module. End qui veut dire fin en anglais. Donc là, on démarre le module et là, on ferme le module. Là, on démarre la fonction et là, on ferme la fonction. Donc sub main, main c'est la fonction principale, pardon. C'est par là que démarrent tous les logiciels. Donc dans quasiment tous les langages de programmation, nous avons cette fonction main. Et la première chose que le logiciel, que le programme va exécuter, ce sont toutes les instructions contenues dans la fonction main. Donc s'il n'y a pas de fonction main dans votre programme, ça risquerait de ne pas bien fonctionner. Donc sub main, c'est pour démarrer la fonction principale qui s'appelle donc main. Et on ferme cette fonction avec un end sub. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. On ouvre le module, on le ferme, on ouvre la fonction et on ferme la fonction. Vous nommez votre module et puis on peut enregistrer notre code source. Donc là, si on ferme le projet, on pourra aller ouvrir un projet. Donc soit ici ouvrir un projet ou on a peut-être les projets récents ici. Oups. Donc là, on va enregistrer.
Donc on donne un nom à notre projet. On va dire où est-ce qu'on veut enregistrer notre projet. Donc là, dans mes documents Visual Studio 2010, dans le dossier projet, et on fait enregistrer. Donc là, on voit qu'un dossier a été créé pour mon projet. Et là, on a notre solution. Le projet a été enregistré ici. Donc là, je vais quitter, je vais faire fichier, ouvrir un projet, tuto 1, tuto 1, et là, vous avez le VBProj qui est le projet Visual Basic. Donc là, j'ouvre mon projet s'est ouvert, et vous allez retrouver votre code source ici, donc dans module1.vb, et maintenant, vous avez votre code source qui réapparaît. Voilà donc comment enregistrer notre travail et le réouvrir un peu plus tard. Donc vous pensez à toujours enregistrer vos projets. Et nous commencerons à programmer dans la prochaine vidéo. Alors je vous invite à regarder un peu l'interface, à naviguer dans le menu. Donc globalement c'est la même chose hein, avec le menu fichier, édition, affichage. Donc avec pas mal de paramètres qui sont communs à tous les programmes. Et ensuite le reste, ça c'est un peu plus compliqué donc. On regardera ensemble et je vous invite donc à passer dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que nous allons faire pour développer des applications en Visual Basic.